Une des principales raisons qui fait que on ne réalise pas qui on est, on ne réalise pas que nous sommes tout ce qui est, c'est-à-dire ce vide plein, c'est la peur de la mort. Beaucoup d'êtres humains, beaucoup, beaucoup, ont peur de la mort. Donc quand on entend le message « nous sommes le vide et le plein simultanément », le vide peut faire très peur. Le vide peut être effrayant, puisqu'on touche à l'aspect de la mort. On touche en fait à cet aspect inconnu de nous. Autant, voilà, je peux me dire, ok, je sais plein de choses hein, à propos de moi, de la vie en général, du monde. J'ai un certain niveau de savoir, mais au niveau de la mort, j'ignore tout, je ne sais pas. Et comme habituellement, on aime bien être dans les certitudes, parce que c'est ça qui nous sécurise. On a été habitué, entraîné à tout rendre sécure. Donc la moindre parcelle de notre vie qui est insécure nous fait peur. Et quand on est identifié à un personnage, eh bien, on tient en fait à ce rôle, on tient à cette existence en fait. Alors on voudrait la réalisation, on voudrait la libération, tout en restant ici. Mais c'est pas possible. Et lâcher ça peut être très compliqué. Permettre à ce message de fondre en nous, de se distiller en nous, il peut y avoir beaucoup de résistance en fait. Et ce qui est compréhensible, hein. C'est quelque chose qui est à vivre. Enfin, moi, je l'ai traversé, c'est quelque chose qui est à vivre. D'ailleurs, la mort, je l'ai beaucoup fréquentée sur mon chemin, sur ce soi-disant chemin. En fait, c'est la vie que je suis, que nous sommes, qui expérimente tout ça. Et d'abord, par rapport à l'activité que j'avais, j'étais psychologue et psychologue du travail, j'intervenais dans les entreprises et j'intervenais notamment dans les situations de crise. Ce qu'on appelle les situations de crise, c'est par exemple des suicides, des morts brutales sur le lieu du travail ou même en dehors. Et en fait, à chaque fois que j'intervenais ici, les gens qui ne fréquentaient pas la mort, en fait, pour la première fois, ce qu'ils découvraient, c'est que la mort les rapproche. C'est que la mort, en fait, va même propulser la vie. La mort va donner un autre aspect en fait de nous-mêmes va nous interroger même sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, va nous permettre aussi de régler les conflits que l'on a, parce que tout paraît en fait vraiment futile en fait. Je me souviens de certaines structures où il y avait des conflits et le fait qu'il y ait eu un mort, d'un seul coup d'un seul, tout le monde se donnait la main. On réalise qu'en fait, on peut être tous très différents, mais en réalité, vis-à-vis de la mort, nous sommes le même. Nous sommes identiques. Et ça, en fait, ça apprend énormément sur nous. Le fait qu'on mettait la mort à l'extérieur de nous. En fait, la vie et la mort, c'est la même chose. C'est ce vide plein. C'est ça ce que nous sommes en réalité. Et c'est important de voir que si tu as ce grand désir d'exister, c'est à regarder de près qu'est-ce que c'est que exister pour toi. De l'observer sans vouloir le changer ni le modifier, juste de voir sa désir exister. Alors que l'on sait que ce corps, comme tout le reste, à un moment donné, va partir. Même si la mort n'existe pas en réalité. Mais dans l'approche de ce plan relatif, il y aurait une dimension de la mort. Il y a des naissances, il y a des morts. Même si tout ceci n'est qu'un rêve, parce que ce que nous sommes n'est jamais né et ne va jamais mourir. Mais ce corps peut avoir emmagasiné cette chose qui est de naître, cette chose qui est d'aller mourir. C'est le propre de l'humain, en fait. Il n'y a aucun mal à ça.
Même il n'y a aucun mal à avoir peur de la mort. En fait, il n'y a aucun mal sur rien du tout, puisque c'est la vie qui joue à ça. Toutes les émotions, c'est la vie. La terreur, la panique, c'est la vie qui apparaît, qui surgit avec cette forme-là. Et la rejeter, en fait, c'est rejeter la vie, c'est rejeter qui nous sommes. La vie veut se connaître, en fait, à travers toutes les formes. Et la mort en fait partie. Puisque rien n'existe et tout existe. Donc c'est important de voir en toi à quelle distance tu es vis-à-vis de la mort. Est-ce que quand tu dis le mot mort, qu'est-ce que ça crée en toi? Est-ce que les mots ont aussi nous révèlent aussi beaucoup de choses sur nous? Tu vois, si je te dis décès, mort, la fin, qu'est-ce que ça crée comme sensation à l'intérieur de toi? De n'être plus rien. Parce qu'il y a un tel sentiment de vécu corporel, émotionnel, mental, on est plein de ça. D'ailleurs, quand on entend le message « nous sommes le vide et le plein », toi tu te dis « mais moi je me sens plein ici, mais je ne me sens pas plein partout, et puis surtout je ne me sens pas vide. Je ne veux même pas du vide en fait. » Regarde bien, observe bien sur quoi repose ce plein. Tu vas voir qu'en fait c'est un plein de ton histoire, de l'histoire que tu te racontes, tu te sens rempli de dossiers en fait, de ton passé, de la continuité, d'accord, de ton existence depuis que tu es né jusqu'à maintenant, l'âge que tu as, et puis dans le futur aussi, parce qu'il y a une projection, c'est linéaire. Regarde que tu es plein de ça en fait, et tu es aussi plein d'émotions, plein de sensations, de sentiments, et tout ça fait que tu crois vraiment que tu existes en fait. Plus le côté organique, tu sais que ce corps, il y a des poumons, il y a un cœur, etc. Donc tout ça en fait te dit, mais et puis il y a aussi les sens, hein. Je vois le corps, même si je ne me pose même pas la question que je ne vois pas ma tête, mais enfin, bref, ça c'est une autre histoire, mais je me touche et j'ai vraiment l'impression, d'ailleurs ça fait du son, mais si je suis là. Donc il y a vraiment une conviction que c'est plein, donc que c'est vivant, c'est-à-dire ce corps bouge en plus, j'expérimente des choses, donc c'est bien moi qui expérimente, c'est bien moi qui agis, donc je suis vivant en fait, et je veux exister, je veux continuer à exister. Et ça, il n'y a pas de mal, hein, parce que c'est la vie qui joue à ça, c'est beau, c'est très très beau. Et réaliser que il y a l'autre versant, ce vide, hein, eh bien, ça peut être terrifiant, ça peut faire peur, ça peut ne pas t'intéresser du tout. Donc, ça vient créer une résistance, en fait, un blocage, un obstacle à la réalisation de qui tu es, c'est tout. Donc tant que tu as cette résistance-là, tant que tu ne l'observes pas, tant que tu ne vas pas au bout de ça, bah, tu mettras en fait un obstacle par rapport à la réalisation de ta véritable nature. Et encore une fois, même ça, ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, ce que tu es, tu l'es. C'est simplement la vie qui peut jouer en toi à pas vouloir mourir en quelque sorte, tu vois. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mort. Hein. Quand on découvre sa vraie nature, au contraire, c'est le plein vivant même, j'ai envie de dire. C'est intense, c'est profond. Tout change d'ailleurs, parce que nos sens se transforment, deviennent beaucoup plus subtils en fait. On voit des couleurs qu'on ne voyait pas. Il y a une profondeur du regard aussi. Le toucher change, enfin bref, il y a tout un tas de changements parce que la vie devient beaucoup plus riche, plus dense, parce qu'elle repose sur notre vraie nature. Quand elle repose sur du faux, elle est artificielle et superficielle. Donc c'est important d'observer quel est ton rapport à la mort. Est-ce que tu es loin de la mort, proche de la mort? Est-ce que tu l'écartes?
Est-ce que tu évites de ressentir ce que ça fait, même le mot mort, qu'est-ce que ça te fait? Parce que les morts ont un impact sur nous. Voilà, c'est important de fréquenter vraiment cette dimension de la mort. Peut-être d'aller dans les cimetières. Moi, je me souviens, j'ai eu une période où j'étais allongée sur mon lit et je me voyais me suicider. Juste en imagerie, en fait, je voyais le sang qui s'écoulait et puis ce que ça me faisait, c'était ah, oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Oh, quelle paix! Mais quelle paix! D'être mort, mon Dieu, que ça fait du bien. En fait, c'est exactement la même chose que lorsque l'on va dormir. On rentre dans une certaine mort. Et je me souviens, à chaque fois que c'était pas du tout quelque chose que c'était pas une stratégie. Je sais pas, j'étais allongée, puis d'un seul coup, je me voyais me suicider. Enfin, je sais pas pourquoi, mais me couper les veines. Et je voyais le sang qui coulait, c'était beau, c'était magnifique, la vie qui s'écoule, la vie soi-disant qui sort de moi. Et en fait, c'est là où je me sentais vivante, parce que je quittais en fait la chair et le sang. Je quittais tout cet amalgame pour devenir libre, en fait. C'est ça la libération, c'est être libre de ce corps. Parce que je ne peux pas m'inventer en touchant comme ça et en disant je suis vide, hein, juste comme ça pour la pensée magique. Voilà, moi, quand je touche, en fait, ça touche rien, c'est vide. Il faut qu'il y ait le mental pour me dire oui, il y a une frontière, en fait. Oui, bien, il y a bien une matière. Mais en fait, il y a zéro matière. La matière n'existe pas. C'est très troublant, en fait, mais. Voilà, quand on réalise qui on est, la connaissance est là en fait. C'est pas quelque chose qui est appris, c'est pas quelque chose que j'ai entendu, c'est connu de moi en fait, de moi en tant que source de toute chose. Et que s'il y a la croyance que la matière existe, c'est ok aussi, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien en fait à qui on est. Donc fréquenter la mort. Ça peut être une belle alternative en fait pour voir, c'est pas une alternative, mais ça peut être un bon moyen en fait pour voir les stratégies que tu as mises en place pour demeurer en tant que cette personne séparée, pour demeurer dans l'illusion de ce que tu crois être. Et de le vivre profondément, de le ressentir. Il ne s'agit pas de faire semblant en fait. Ça ne sert à rien de faire semblant, mais de vraiment le toucher du doigt la mort.